ahi ande tam di am pa indi am da la ya da la ya dan de bande am pa indi Gagas Ouba, c'était mon premier film. J'avais 22 ans quand je l'ai fait et 23 ans quand je suis arrivé à Cannes avec sa copine. Le sujet du film, c'était une révolution des esclaves au Brésil dans le 17e siècle, à l'intérieur du pays. Ils ont construit une espèce de nation libre et c'était vraiment la première grande révolution démocratique dans le continent américain. J'ai fait ce film, comme je dis, j'avais 22 ans, c'était un film fait plein d'espoir, plein de la certitude qu'on était en train de changer le monde avec nos films. Et je suis arrivé à Cannes avec cet esprit. Le journaliste Louis Marcorel, le fameux critique, le très célèbre à l'époque, il a vu le film au Brésil, il a vu le film ici à Rio de Janeiro. Mais la sélection pour Cannes, la sélection de la semaine de critique, était déjà terminée, elle était déjà faite. Et Louis Marcorel, il s'est enthousiasmé par le film, il nous a invités à faire une espèce de 8e journée de la semaine de la critique, évidemment pas officielle, mais dans le cadre de la semaine de la critique. Alors, nous sommes arrivés à Cannes dans une année très importante pour le Brésil, parce que c'était la même année où Les Vieux Noirs, Les Diables Blondes, de Gomes Rocha et Vida Secas, de Nelson Pereira dos Santos, étaient dans la compétition du festival, la compétition officielle du festival. Et moi, avec ce petit film, j'étais dans ce cadre extraordinaire de la semaine de la critique. C'était le premier festival international où j'allais. C'était la première fois que je sortais du Brésil pour aller à un festival de cinéma. C'était vraiment ma première fois en Europe, la première fois évidemment dans le festival de Cannes. J'étais tellement ému, c'était une espèce de grande joie d'être accepté, d'être inclus dans la grande famille internationale du cinéma que Cannes représentait et représente jusqu'à maintenant. J'ai connu mes premiers amis du cinéma international, j'ai connu à Cannes dans le cadre de la semaine. Cette année-là, 1964, il y avait le film Prima de la Révolution de Bernard Bertolucci, qui était la grande sensation de la semaine de la critique. Et j'ai connu Bernard aussi bien que Gianni Amico, un autre réalisateur italien qui était là avec Bernard. Nous sommes devenus des amis jusqu'à maintenant. Et surtout, c'était une espèce de reconnaissance de l'un à l'autre parce que Bernard a vu Gagas Ouba aussi. Moi, j'étais plein de joie quand j'ai vu Prima de la Révolution. C'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et j'ai vu qu'il y avait une espèce de nouvelle génération du cinéma qui venait tout de suite après la nouvelle vague française, avec des idées qui étaient un peu, pas tellement, mais un peu semblable, aussi bien en Europe qu'au Brésil, en Italie qu'au Brésil. Et ça m'a donné beaucoup de confiance dans ce qu'on faisait à ce moment-là. Aujourd'hui, pour moi, Gagas Ouba, c'est un film très important. Je crois que c'était un premier film dans l'ensemble du cinéma novo brésilien, ce qu'on appelait le cinéma novo, le jeune cinéma brésilien à cette époque. Le cinéma de Gomes Rocha, Nelson Pereira, Joaquim Pedro, Leon Richman. Et Gagas Ouba, c'était un des films qui a démarré l'idée du cinéma novo, mais avec une personnalité, un caractère très, très, très spécial. C'était un film, d'une certaine façon, très différent des autres. C'était d'abord un film d'époque, un film qui se passait dans le passé, et ensuite un film qui était une espèce d'opéra baroque, fait avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'enthousiasme, quoi. Negro, eu também quero ir para Palmares, eu quero ir para Palmares, eu quero ir para Palmares, beijar o pé de Jambi, eu sou negro, eu quero ir para Palmares, eu quero ir para Palmares.